Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Beneath Owlsar. On continue notre petit run et on avait réussi à passer l'étage 1 de justesse. Mais on est reparti pour l'étage 2. Alors on a soit pioché 2 cartes, soit gagné un point d'action seulement le premier tour. Ouais, on va prendre ça. Alors qu'est-ce qu'on a? C'est pas des sentinelles de soins ça, sentinelles harmonisées, il y en a 3. Quand un adversaire est détruit, cet adversaire gagne 8. Ok, donc à chaque fois qu'on détruit quelqu'un, on les booste. Le 8 espèce de pieuvre là, en fait c'est de la reconstruction, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on lui met une stack de 8, au tour d'après il va se soigner de 8 et ça va passer à 7, au tour d'après il va se soigner 7, ça va passer à 6, etc. Donc on a tout intérêt à se focus sur un seul. Qu'est-ce qu'on a pioché? Beaucoup de cartes du coup. On a ce truc là, on va direct le prendre. Carnage sanglant. Ah, on a tout intérêt à se déplacer loin du coup. Donc on va focus celui-là. Avant de générer des virus, on tape. On prend un massacre de plus, on tape. On pioche des virus. On a déjà 20 de défense, ce qui n'est pas suffisant avec les virus, mais ce qui est pas si mal. On se protège. On n'a pas 3 virus. Est-ce qu'on a notre... Non, on n'a pas notre truc amélioré. Donc on va se contenter d'une petite défense. Puis une autre défense. Alors, il va falloir faire mal à ceux-là. Ils vont faire 7 x 2. Lui, il a gagné de la furie. Oh bah c'est parfait. Alors, est-ce qu'avant on peut générer un virus? Non. On va faire ça. Ça va désactiver leur truc. Ça va pas désactiver celui-là. Voilà, c'est désactivé. Bon, il faut quand même 2 x 8, 5 x 8 et le dernier, 1 7. Ok. Ça va piquer un peu. Aïe, aïe. Alors on a le siphon occulte qui pourrait valoir le coup. Genre on entame celui-là. Ou même on a la transformation brûlante, ça ferait 12, ça suffirait pour le finir lui. Il aura désactivé ça. Ok, parfait, on finit celui-là. Il a fait de la reconstruction à celui-là. Ah non, à tous. Ah, ça donne à tous. Ah non, c'est eux qui s'auto-bouffent, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Augmenter les dégâts de 25, ça nous permettra pas d'en finir un. On a déjà 2 x 4, 8, on a déjà suffisamment de défense là. On fait 18 plus un massacre, on booste une carte, on va booster une carte. Fendre le soleil. Si la cible est loin, inflige 10 dégâts de plus, ajoute un virus à la défausse. Ça dépote ça. Ah bah on a ce truc là amélioré, hein. Parfait. 43, tiens mange. Et lui, on va lui faire un peu de dégâts parce que mine de rien, il va quand même se soigner de 16, hein, cet enfoiré. Oh, on a l'accès de violence, allez pour le fun. On génère plein de trucs. Second souffle, agression brusque. J'aime. Cela étant dit, ça c'est un peu tard, mais pourquoi pas. Et là, on pioche une carte pour un coup de zéro. Non, pas ça. Piocher une carte de coup zéro. Ah, c'est une pioche. On pioche une carte qui est forcément de coup zéro. Ça transforme pas le coup d'une carte. On n'avait pas de carte de coup zéro? Ah bah non. Ok, donc on va prendre 2 points de dégâts, tant pis. C'est comme ça. La ventilation de chaleur, le siphon, c'est pas assez. Bah donc il va falloir qu'on se protège. Bah non, parce que de toute façon, on s'en fout. Il va buffer de toute façon, mais il se soigne encore. On va se débarrasser des virus. Hop, pour avoir un petit peu de furie au prochain tour.
l'agression brutale. Plutôt pour l'agression brutale, hein. Voilà. Alors, on a une rage qui nous permet de piocher une carte. Le gel cicatrisant. On peut se soigner. Ça se prend. Un petit soin, franchement. On va pas s'en plaindre. Hop. On va taper avec un massacre. Alors, ajouter un programme aléatoire à la pioche. Gagne passante. 16 de dégâts. On peut l'éloigner et après le charger. J'aime bien l'idée, vu qu'on n'a pas grand chose pour se défendre. Et la vue, voilà. Ça c'est fait. Il nous emmerde avec son soin hein, par contre. Annihilation totale. Si vous n'avez aucune carte de d'attaque en main à la fin de votre tour, au prochain tour, gagnez 2 de furie et 4 de défense. C'est pas mal. Lourde. On ne peut pas jouer sur une cible loin. Ok, ouais, 25 de dégâts en même temps. Ok, on va prendre celle-là, c'est plutôt dans son style. Générer du dégât. Alors, 2 cartes non base, on les enlève ou on gagne un injecteur. On va prendre l'injecteur. Épice bleue. Piocher 2 cartes, effacer une carte de la main. Ok, pourquoi pas. Ça peut permettre d'aider, si jamais. Alors, améliorer une carte parmi 3, retirer une carte. On va améliorer une carte parmi 3. Alors, tuer les tous. 20 d'armure au lieu de 10. Ou alors, une carte massacrera, j'ai gagné 12. Très bien. La défense forcée. 18 de défense, piocher une carte, effaucer chaque virus, ok. Effaucer chaque virus et on gagne 4 le prochain round. Et l'accès de violence. Ah, c'est plus des cartes aléatoires, on choisit parmi 6, ok. Et là on gagne 30. Par contre on passe à 2 de coups. Et là on passe à 0, putain c'est fort. Par contre on gagne moins de défense. Passer le coup à 2, ça m'embête pas mal quand même. Après ça fait 32 défense, hein, mais ça m'embête pas mal. Je pense qu'on va prendre plutôt ça, parce que je le joue quand même assez régulièrement. Il faut qu'on enlève une carte pour enlever une vigueur maudite. Alors, une pause. Est-ce qu'on a besoin de se soigner? Pas forcément. On va encore améliorer notre collaboration. Solution passive polyvalente. Une rage ou un virus, ok. Choisissez deux dans la pioche puis effacez-les, c'est fort. On va reprendre une deuxième comme ça. Se débarrasser de notre petite attaque de base. Et on est parti sur un élite. Alors, une furie pour le combat ou alors... Ah non, on va prendre les dégâts de plus pour le combat. Oula, qu'est-ce que c'est que ces trucs encore? Alors, ceux-là, ils volent. Et celui-là, il a des pieds. Celui-là, c'est une sangsue arcanique. Alors, la première fois que cet adversaire est blessé, il subit 8 dégâts non létaux et gagne 3. Ok. Très bien, et toi tu fais quoi? Sangsue du corps subtil. Oula. Cet adversaire ajoute une corruption de points vitaux à la main chaque round. Si vous atteignez 5, elles sont toutes effacées et la sangsue arcanique se repaie de votre force vitale. D'accord. Très bien, donc il faut qu'on se débarrasse de ce truc, mais il a quand même 200 PV. À chaque round. Ah, il nous en a déjà mis un. Oh, elle est pas défaussée en plus. Ah putain, la saloperie. Ok, il faut qu'on le cogne. Ils nous font quoi? 5 et 6, c'est correct, on a déjà 5 de défense. Donc il faut qu'on... Il faut qu'on l'entame, même si c'est pas ouf. La vapeur apaisante, un petit soin, mais on n'a pas besoin de l'armure donc on va se détendre. J'ai une carte gratuite, on a l'épice bleue, on a l'annihilation totale, ça c'est bien ça, on va la prendre. On a 20 de défense, c'est suffisant pour encaisser les 2-5, donc on peut se permettre d'attaquer. On va pas le tuer là, donc je pense qu'on va aller là-bas générer du virus. Il va faire un peu plus de dégâts, mais il va aussi se
subir ses 8 points de dégâts là. Putain la vache, la corruption de points vitaux, ça va être une horreur. Hein. Il n'y a pas de renfort. Hein. Oh, il va faire 30 lui, sérieusement? Qu'est-ce qu'on a? On a la vigueur améliorée qui nous donne 12. On a aussi la ventilation. Là on peut générer un virus. Là non. On va faire mal à celui-là. On va prendre ça, le virus. Et la question après, c'est est-ce qu'on se protège encore plus? On serait à 30. Donc on se protégerait de lui, mais on encaisserait 8 là. Donc je pense que c'est plus intéressant de finir celui-là. Ça leur a fait un truc là. J'ai pas vu quoi, mais ça leur a fait un truc. Aïe. Aïe. Ok, il nous en a mis 3 dans la tronche. Il va falloir... Elles sont pas passantes, hein, donc elles disparaissent pas quand je les joue. Donc les jouer, c'est juste pour plus les avoir en main. Du coup, l'un dans l'autre, c'est pas dingue. On va activer notre peau métallique. Il nous fait 9 x 2 et 8 là, donc on pourrait faire ça. Piocher un virus. Se défausser de nos virus. Et encaisser. Ah, les ennemis sont quand même classe. La DA est franchement... elle tue. Par contre là, on commence à être un petit peu dans le mal. On va voir piocher là. Je pense qu'on va aller faire un massacre sur lui. Et après on se protège un peu plus. Et elle va nous mettre 5 hein. 40. Ouf. Alors, pour la peine, on va prendre l'accès de violence. Voilà. On peut aller tuer, mais elle se met en bête. On va plutôt faire ça. On va taper sur elle avec le 15. Ensuite, on va faire ça. 27. Est-ce qu'on peut se protéger efficacement? Ouais, avec ça. Efficacement, c'est pas ouf, mais ça, ça sert à rien. Prends 6, c'est mieux que si je l'avais tué et que j'avais pris plus de dégâts là. Oh bah parfait, ça fait pile 6. Ça. Voilà, ça c'est fait. On dirait que ça leur fait des dégâts quand quand on tue des ennemis. C'est à cause d'un des trucs que j'ai, non? Ah oui, c'est ça. 8 dégâts et 1 de faiblesse, c'est pour ça. C'est pour ça, t'en as que des virus et pas de défense. On va peut-être devoir utiliser notre épice. Ok, on va activer ça. On sacrifie ces trucs là. 3, waouh. 24 x 2, à la pioche gagner 5, à la défausse par un effet gagner 5. Ok, ça nous a boosté un peu. Mais 38 là, il va falloir qu'on fasse des trucs. Hein. On va effacer ça, on le jouera jamais. On se protège. Tant bien que mal. Ah ouf. Alors un debuff maintenant. Second souffle. Le siphon occulte. Il a encore 217 PV, mais what? Sérieusement? Mais il en avait 200 quand on a commencé là. Ah c'est ça quand il absorbe notre force vitale. Ok, ça pue le cul. On va l'allumer pendant qu'il est... qui se buff. Hop. Et un petit massacre. On gagne un virus mais on a de la défense. Par contre il nous en met plus des sangsues là. Peut-être une petite imprécision dans sa manière de jouer, ou alors c'est que jusqu'à ce qu'il ait fait ça une fois, après il attaque normalement. 38 d'attaque, très bien, qu'est-ce qu'on a? Je peux piocher une carte avec ça et faire un peu de dégâts, on va le faire. L'assaut infatigable.
On va attaquer, on va faire ça, ce qui va nous permettre de piocher des rages. Ouais, par contre, on a plus rien pour se protéger. L'incubation brûlante, ok. Ici, on va effacer nos frappes sauvages pour avoir des attaques un peu plus costaudes pour le prochain coup. Encore 100 PV ce con. 20 x 2, waouh, 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 waouh. On se détend. On va piocher. On a passé à 5, on active la flambée de cobalt. Ça fera pas de mal. On retape. On a réussi à piocher une petite défense. Un massacre. Il ne reste plus qu'un point. C'est trop tendu. C'est tellement tendu. Ah, dommage. Aïe, aïe. Waouh, la vache. Ok, on est arrivé à 8 compteurs de virus, donc on peut choisir une transformation qui durera pour le combat. Purger. Fugace, on va prendre fugace. C'est parti. Alors, on a pioché, bah tiens, parfait. 25, c'est pile poil. Bon, par contre, on a bien douillé, hein. Alors, toutes les 8 cartes d'attaque jouées, gagnez 1 point d'action à une carte, c'est pas mal. À chaque fois que vous jouez une attaque, elle gagne 2 de dégâts. Ouh, pas mal. La première fois que vous jouez une carte de manœuvre non passante, non fugace, remontez-la, elle coûte 2 de moins jusqu'à elle jouer. Je vais prendre ça, parce que ça nous permet de monter en puissance au combat, quand même. Bon, cela dit, avec nos PV restants, ça va être chaud, surtout qu'on a un nouveau combat là. 10 PV, on va prendre les soins. Alors, à chaque round que vous commencez seul dans votre zone, un adversaire subit 2, ok. Chaque combat, la première fois que vous êtes blessé, un adversaire au hasard subit 25 dégâts non létaux. Ça, c'est pas mal, ça. Le soin de 10, c'est toujours ça de prix. Et on va générer du virus. Celle-là, je m'en débarrasse, donc plutôt non. On va améliorer ça. Alors, réduisez le coût d'une carte de 1 et donnez-lui limité, ou alors gagnez un anticorum, abandonnez un anticorum. Ok, alors on gagne. Chaque round, un adversaire au hasard subit 8 dégâts non létaux, c'est pas mal. Il faut qu'on en jette un par contre. Je pense qu'on va acheter ce truc là. C'est pratique, mais c'est pas non plus ouf. On prend 5 PV et on affronte l'élite. On va aller là. À mon avis, ça passera pas de toute façon. Alors, 7. 3 x 5. 3 x 6. Ok. Excusez-moi d'être là. Hein. Ok, alors déjà, on va activer ça direct. On gagne une attaque acharnée améliorée. Pourquoi pas. On a un bon potentiel de dégâts pour ce premier tour. Hein. Ah, c'est pas assez. Il faudrait qu'on se défende quand même un peu. C'est pas suffisant non plus. Donc tant pis, on se protège. Aïe. Allez, tiens, prends 25 de dégâts, ça calme déjà. Alors, tant qu'il est loin, cet ennemi touche un allié proche de vous plutôt que vous. Et là,
50 dégâts de plus tant qu'on n'est pas dans sa zone. Donc il faudrait qu'on aille chercher celui-là. Il nous a mis quoi là? Un adversaire au hasard se soigne de 5. Piocher 1, d'accord. Il faudrait qu'on aille chercher lui et qu'après on revienne, mais on peut pas. Donc il vaut mieux qu'on reste ici que lui prenne 20. Et après on se protège hein. On n'a pas besoin d'autant. On a aucun virus pour le moment. On va faire des dégâts à lui. De toute façon. Voilà, il va tuer son copain. Et du coup, non, non, on protège. Alors, il faut qu'on termine celui-là. Si la cible est loin avant de changer de zone, infligez 10 dégâts à chaque adversaire proche. S'il n'y en a pas, gagnez un massacre. Bon, c'est un peu dommage de faire ça sur lui, on va le faire sur celui-là. Et ensuite, on va se servir du massacre pour finir lui. Ok, et maintenant, à ton tour. Waouh, 22 PV. C'est chaud, chaud, chaud. Ah, ça c'est fort ça. Ouais, on va prendre ça pour avoir à faire un peu plus de dégâts quand on génère du virus. Alors là, la pause, il va falloir qu'on prenne le soin, c'est juste avant le champion. Là, il a 4 bras. Le distilleur. J'allais dire, il n'y a pas de renfort, mais 200 PV et 542, et il commence par un 10x5, très bien. Au début du combat, si vous êtes en sang, ajoutez 2 saignements à votre défausse. Ah, ça maman. On n'a pas gagné assez de PV. Alors lui, il fait quoi? Tant que le distilleur est en vie, le protecteur gagne 1 de furie. Si le distilleur est détruit, ajoutez 2 distillats à la pioche. Si le distilleur est seul, il subit 200 dégâts non létaux. Non combattant ne fait rien. Ok. Ah, ça c'est le protecteur et ça c'est le distilleur. D'accord, ok, je comprenais pas. Je crois que c'était lui le distilleur. D'accord. Donc lui il fait rien. Et s'il est seul, il subit 2 dégâts dont les taux. Donc en gros. Lui a une furie. Donc si on choisit de tuer lui en premier. Il perdra sa furie. Mais si on lui fait rien, il mourra de toute façon. Donc il faudrait plutôt qu'on se concentre sur celui-là du coup. Pourquoi pas. Par contre il va nous dépouiller. Donc on va directement faire ça. On passe à 32 défense, il va faire 10 x 5, 50. 50 mec quoi, on va prendre le soin du coup. On n'a pas encore de virus dans la pioche. Non, donc c'est parti. Alors, on avait un virus dans la pioche visiblement que j'avais pas vu. Du coup. On va l'affaiblir un peu, il va nous faire 40 déjà, ça change un peu la donne. On est à 60 de défense. On va lui faire 20 et l'envoyer loin pour le plaisir. Alors, 46. Quelle violence. Alors, on ne peut jouer que sur une cible loin. Gagner 8, ajoute un virus, une rage, recul, chaque adversaire subit 8 de dégâts, ok, charge féroce, t'es inconsommable, choisissez 3 cartes pour prendre ça, ça, et ça. Alors ensuite... pas ouf la défense là, elle va nous défoncer. Ouah.
20 x 3 attaque de zone. Reste dans sa zone pour son attaque, si vous n'êtes pas dans sa zone, vous ne subirez pas de dégâts. Alors, vu qu'on peut pas s'éloigner, on n'a pas trop le choix. Niveau défense, c'est chaud. Oh, il va nous dépouiller. Oh, sa maman! La violence du mec. Ok, très bien. On a débloqué un nouveau héros level 7, Néréide de la maison Agissade et Faradi, et une nouvelle expédition dans le nouveau culte de Shina. Et on est tout près du level 9, mais on l'a pas eu. À 4 points d'XP près. Donc comme d'hab dans la plupart des roguelites, à chaque fois on a un petit résumé hein, de ce qu'on a fait, les objets qu'on a eu, toutes les cartes qu'on a jouées, enfin qu'on a débloquées. Ouh, la violence. La violence. Alors, on a débloqué du coup une nouvelle expédition, mais on l'a pas eu. A chaque fois, c'est généré aléatoirement les expéditions qu'on peut avoir. Retire une carte non-héros aléatoire du jeu de base. Ok. 5 PV max. Une carte aléatoire standard au jeu de base. On va faire ça. Et du coup, alors, on a débloqué d'autres persos. Alors lui, du coup, qu'est-ce qu'il faisait déjà ? Il a la malédiction de Cobalt, donc tous les marqués ont la malédiction de Cobalt visiblement. Donc à chaque fois il gagne 5, 10 et 15. Quand vous jouez une carte combat, gagnez 1 de furie et ajoutez un virus aléatoire à la pioche ou à la défausse. Quand vous effacez un virus, perdez 1. Alors moi pour l'instant j'ai vu que des virus de base, mais ça sous-entend qu'il y a différents types de virus. Et il commence avec briser les os, qui repousse l'ennemi, qui permet de piocher si on a des virus. Piocher un virus, défaucher chaque virus en main, gagner 5 par carte, et chaque round gagner 3 pour chaque virus en main. Il est très orienté, encore plus orienté sur la pioche de virus. Elle est très forte quand elle a des virus dans son compteur, mais pas forcément en main. Lui, il est très fort avec des virus en main. Elle fait quoi ? Contre-attaque. Accumuler des charges pour déclencher de puissantes contre-attaques. Héritière de glace, gagner 2 de points d'action et 2 cartes sur une contre-attaque, ok. Alors, recul, gagner une charge, passant, subissez 2 dégâts, gagner 6 charges, augmenter la taille de la main de 1, pourquoi pas. Et elle fait quoi? Pistolero, gagner et dépenser des munitions pour déclencher de puissants tirs et improviser des techniques en plein combat. Chaque round, gagner une coupe nette. Et on a quoi? La sub subit 5 jusqu'à la fin du tour. C'est une attaque à distance, ok. Pas de quartier, ce round-ci, pour chaque première attaque sur chaque adversaire, gagner 2 et piocher 1, réduire son coût de 1 jusqu'à être joué. D'accord, donc là faut qu'on tire sur chaque personne. Et dégainage rapide, après avoir tiré sur un adversaire loin, gagner un plongeon acéré. Ok, bah je pense qu'on va tester celle-là. Ça c'est une des personnes qui est arrivée avec la 1-0 il me semble. Et donc avec elle, on peut prendre que ce héros-là, puisqu'on n'a pas... Dans la tronche quoi, elle a rien énervé hein. On peut pas prendre le petit robot avec, avec ce personnage-là. Ah, on gagne un nouveau un sceptre, un spectacle flamboyant, oui c'était sa capacité là. Gagner un spectacle flamboyant. Alors voyons voir ce nouveau personnage. Et salut Squash Belge, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. Donc premier combat, on peut se permettre d'avoir un adversaire qui a 25 PV en plus hein. Alors visiblement c'est le plus relou qui l'a pris. Alors, on va falloir qu'on regarde un peu parce que je connais pas du tout ce personnage. Donc on a un barillet. Le compteur de munitions du barillet. Vous ne pouvez pas jouer d'attaque à distance sans munitions. Alors, c'est pas tout à fait traduit là. Les munitions corrompues sont considérées comme les munitions régulières pour tous les effets de carte. L'icône munitions représente à la fois les munitions régulières et corrompues. Exemple, perdez 2 munitions ou fera perdre 2 munitions, quelle que soit leur nature. Mais par contre, les munitions de type corrompu ont des effets plutôt positif visiblement. Très bien. En face on a quoi? La force du nombre. Chaque round cet adversaire gagne 3 pour chaque allié proche de lui. Ok, donc il a 6 là. Lui à chaque fois qu'on l'attaque il prend des dégâts et forcément il a pris les 25 PV en plus. Et ça c'est un mec de base tout pourri. Ok. Qu'est-ce qu'on a? À couvert, gagner 7 d'armure. Pour 1 c'est pas ouf hein. Un tir à distance qui fait 12 de dégâts, on pourrait quasiment finir celui-là, encore à couvert, pas de quartier. Ce round-ci, pour chaque première attaque sur chaque adversaire, gagner 2, ouais, sauf que ça coûte 2 quoi. On peut
peux en faire qu'une après une attaque. Effacer cette carte et gagner un fugace, attaque ou manipulation. A la défaut, c'est effacer cette carte et gagner une munition. Ok. Et ça, c'est une attaque pas à distance. Donc on pourrait faire 12 et 6. On pourrait tuer l'autre là avec ses 6 de furie là. On va le faire. Voilà, une petite coupe nette. Ça, c'est fait. Ça nous a consommé une munition. On va faire ça. Prémunition numérique, gagner 12. Précog 3. Précog, quand un précog X est activé, regardez X cartes de la pioche, choisissant une, elle est défaussée. D'accord. Si vous défaussez un programme, remontez-le. On va défausser à couvert. Hop. On a déjà 12 de défense, donc on va en prendre un peu plus. On va regagner une munition. Alors lui, il s'est buffé, il a augmenté sa furie. Très bien. Qu'est-ce qu'on a eu? Du tir direct, une coupe nette, on va pouvoir tuer celui-là. C'est parfait. On pioche deux astuces de munitions à chaque fois, visiblement. On va prendre la défense et cramer une munition de plus, puisqu'on va en piocher deux. Alors, est-ce que tu connais ce jeu, Squash? Je sais pas s'il est passé sous ton radar ou pas. Mais il est vraiment plutôt très sympathique, je trouve. Spectacle flamboyant, si le barrier n'est pas vide après le tir, piochez 1. Ok, un tir, point faible, si la cible subit 5 jusqu'à la fin du prochain tour. C'est pas mal ça. C'est-à-dire qu'il va nous faire 5, ah mais il a gagné 3 à cause de son malus forcément. Et si on l'attaque, il va regagner comme un sac plein de PV, donc on se protège quand même. On va piocher une carte, dégainage rapide. Bon, non, il s'éloignera jamais lui, donc ça sert à rien. Par contre, le truc qui met de la furie là, c'est violent. Hein. On se protège de justesse. Il nous a mis un saignement. Toi qui l'avais mis sur le Discord du Xebus. Ah oui, c'est vrai, t'en avais parlé sur le Discord du Xebus, c'était toi. Bah, je l'avais repéré avant, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai pas enregistré particulièrement. On va pouvoir le tuer, on a des munitions, on le tranche. GG, alors, une carte. Prochaine fois que vous changez de zone, gagnez 16. Ouais. À bout portant. Si la cible est proche, envoyez-la loin. Ah, sympathique. Et on va beaucoup jouer sur le mouvement avec elle, donc je pense que les cartes recul et de ce genre-là, ça va être vraiment bien. Ouais, on va prendre ça. On va boire un petit coup d'eau en passant. Alors... améliorer la collaboration, ça serait bien, mais déjà retirer une carte. On peut se permettre de retirer un couvert. Hein. Allez, on va retirer un couvert. La DA est super, moi, ouais, carrément. Ouais. Tellement que même les petites zones comme ça, où ils se baladent, etc., gratuitement, ça me dérange pas, quoi. Défausser une carte au hasard, meilleure récompense. Ça va, on peut prendre ça. Alors, on a du 16, 18, 22. Quand cet adversaire est détruit, un autre gagne 5. Ok, lui il gagne de la furie quand il y a des potes, donc il faut qu'on le détruise assez vite. Et lui il va s'éloigner avant de nous attaquer. En plus, il fait 12 du coup. Ouais, faut qu'on le tue celui-là. Et une coupe nette. Voilà, ça c'est fait. Un de moins. Ensuite, on a un petit 14 qui va pas suffire. On va piocher. Les 5 élus, gagner 5 munitions et 5 armures. Ok, intéressant. On va taper sur lui, il fait 0 parce qu'on lui a mis du faible. Et on gagne un petit peu d'armure. 5, ça va nous permettre d'encaisser. Ouais, yet another zombie survivor, je l'avais repéré il y a un bon moment. Hein. J'ai essayé de l'avoir pour la chaîne, mais je l'ai pas eu. Du coup, j'ai fini par me l'acheter moi-même, mais vraiment pour le plaisir, quoi. Hop là, on gagne un plongeon inséré. Ah, mais faut qu'on puisse se rapprocher, c'est ballot ça. Bon, on va le tuer de toute façon. Et c'est vrai que il est sympathique. Yet Another Zombie Survivor, là, franchement, plutôt bien joué. Cessez le feu sournois, défausser chaque attaque, gagner 2 et piocher 2 types de manœuvres.
En manœuvre, on a quoi? On a juste des à couvert pour le moment. Ah non, on a aussi pas de quartier. Mais ça nous sert à rien avec ça. Gagnez 12, préco 4, si vous remontez un gadget. Si vous défaussez un gadget, remontez-le. C'est pas mal ça. Ok, elle manipule pas mal son deck quand même. Il te manque plus que 3 succès dessus. Waouh, j'en suis loin, moi. J'en suis très loin pour le coup. Gagner une carte exceptionnelle parmi 3, augmenter les dégâts de base de 8. On va gagner une carte exceptionnelle. Alors, à chaque munition dépensée, les dégâts de cette carte augmentent de 1. Ok. Quand le barillet est vidé, gagnez 2 et piochez 1. On va prendre ça. J'ai un peu de mal à voir si on pourra vider le barillet facilement pour le moment. C'est trop tôt encore pour ce perso-là. Ok, on commence à pas mal booster. Ah bah oui, 37 heures de jeu, ça joue, ouais, c'est sûr. Bah, Brotato, il nous reste 2 succès avec Chobiti. Mais on s'y est pas remis depuis un bon moment. Du coup, Another Zombie Survivor, ça change un peu. Est-ce qu'on se défend ou est-ce qu'on pioche? On va se défendre. Ok, pas de bol. Si, il attaque quand même. Donc, ok, très bien. Sans de PV. En même temps, on a pas mal de choses. On va piocher. Gagner 4. À chaque fois qu'une munition est consommée, gagner 4. C'est pas hyper utile. On peut avoir une attaque. Fugace, bout portant. Ok. Donc on peut taper. 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 Et puis bah on va utiliser. Bah alors ça sert pas à grand chose, on va utiliser ça pour faire notre précog. On va défausser un à couvert. Et on va faire un à couvert, mais ça sert pas à grand chose. Encaisser son attaque. Alors, on peut le repousser. Il va faire quoi? 20 de dégâts. Ah, ça va être un peu plus gênant là. Là, ça peut valoir le coup ce truc là. Hop là. On a pioché un tir direct à 0 du coup. Pas mal. Par contre, on se défend pas là, clairement. On va manger là. Avec nos deux de défense là. Aïe. Ah, je sais que t'as le 100% sur Brotato. Il nous a mis assommé cet enfoiré. Alors, il faut qu'on le tape. Est-ce qu'on peut faire 40? Non. Je dis non, mais 12, 24. Si, on peut faire 40. Non, pourquoi je peux pas? J'ai plus de balles. Ah. Échec. On peut effectivement ne plus avoir de munitions. Parfait. Des munitions. Hop là. Comme ça, je le sais. On peut ne plus avoir de munitions. Très très bien. Alors, ne peut être joué qu'avec au moins 3 balles dans le barillet. Si la cible a 35 PV ou moins, perdez 2 et infligez triple de dégâts. Waouh. Funeste pillage. L'attaque détruit la cible, gagnez 2 munitions. La carte gagne 2 dégâts jusqu'à être jouée improvisée. L'effet improvisé s'active quand la carte est en main alors que la carte astuce de munitions est jouée. D'accord, ok. Donc on jette une carte de munition, ça augmente ses dégâts et en plus si on détruit on gagne 2, c'est pas mal. Mais ça j'aime bien l'idée de ce truc là. J'aime bien le concept d'exécuter l'ennemi. Allez, gagner une carte parmi 4, améliorer là, augmenter les dégâts d'une carte de 5, un injecteur ou des PV max, une carte inégalée, la collaboration. La collaboration va nous donner canaliser Tyrnil, gagner impact parmi 3. Ça peut être pas mal de commencer à améliorer des cartes, mais là, 5 PV max et une carte inégalée. Le cessez-le-feu sournois, ok. Et on gagne canaliser Tyrnil. Je pense qu'on va être prêt pour l'élite après, hein. Soigner des PV, on prend, on remonte quasiment à notre max, du coup grâce à nos plus 5 de PV max. Alors, piocher 2 cartes puis défausser en 2 le premier round, piocher 2 cartes puis défausser. Ok, on va prendre le combat élite. Alors, on n'aura pas de mec loin.
On va défausser ces deux-là. Alors, on a une coupe nette. On a un A couvert, lui se protège. 7-18, on va encaisser. Par contre, on fait 14, c'est notre Fury. Ok. On va voir ce qu'on nous propose. Drone modulaire, gagner 2. À 5 munitions, gagner tir vif, sinon gagner une munition de secours. Et bah, allons-y. Qu'est-ce que c'est que tir vif? 14 gratos. C'est parti, on tape. On va taper sur lui, c'est le plus fort. On va quand même faire un peu de défense. Est-ce qu'on pioche un truc gratos pour le finir? Non. Fugace limitée, piocher une carte, si le barrier est vide après le tir, gagner 1 et 1. Ok. On va prendre là des dégâts. Non, même pas. Ah oui, on s'est protégé. Nice. C'est vrai qu'on est en combat élite et notre pote nous donne 30 au début du combat élite. 30 de défense. Donc c'est passé en fait. J'avais même pas fait gaffe. Bon, lui fait chier parce qu'il s'est protégé. Faut donc qu'on attaque quelqu'un d'autre. Et je me suis encore bourré de tout. J'ai fini le tour hein, comme un con. Du coup, lui se protège plus. Donc on va le finir. On va commencer par ça. Voilà. Ensuite, l'autre derrière se protège. On peut l'expulser, mais c'est pas très intéressant. Ouais, squash. Je me gourre un peu de touche. Dès que j'utilise le clavier, là, je pose ma main sur le clavier et c'est QSD pour changer de cible et c'est E pour passer le tour. Du coup, c'est hyper proche. Donc sur un mauvais placement, c'est l'échec critique. Quoi. Qu'est-ce qu'on nous propose? Diversion usée. Si le barrier est vide après le tir, gagnez 8. Ah, on n'aura pas moins de vie de notre barrière. Du coup, on a quand même 15 de défense, c'est pas si mal. Tu refuses de jouer au clavier. Tu peux jouer entièrement à la souris avec la molette. T'as raison, je joue à la molette. Si le barrier est vide, le barrier sera pas vide. Mais bon, tant pis, on va quand même lui faire mal. Et puis on va encaisser, pas le choix. Et on va encaisser un tour gratuit pour Kadal, donc bon. Alors, point faible. Hein. Là, on fait 8. On va finir celui-là vu qu'il se protège pas. Ce sera fait. Il nous faudra des munitions. Ah bah, on a qu'une seule carte dans notre pioche. Donc, comme ça, c'est fait. Il nous faudra des munitions pour jouer ça, c'est dommage. Parce que ça aurait été puissant ça, hein, vu qu'il a plus de 35 PV. Il fait 12, mais on a déjà 27. Qu'est-ce qu'on nous propose? Distributeur de clous. Chaque adversaire qui sort ou entre dans la zone, ce round 6 subit 25 de dégâts. Bon, ça va pas arriver. Tant pis, on va tirer et regagner une munition. On va prendre un à couvert. Alors, 14. Si le barrier n'est pas vide, piocher une carte. A chaque munition dépensée, les dégâts de cette carte augmentent de 1. Ça, c'est fort. Par contre, il faut qu'on lui fasse une petite attaque pour enlever son bouclier. Ensuite, on fait ça. Et là, le 22 de dégâts. Et on n'a vraiment pas de quoi taper, sérieusement. C'est bien triste. On n'a plus de munitions, donc on se défend et on le finit ce tour-là. Hein. Voilà. Petit zoom. Alors, la première fois que je jouais une manipulation non passante, non fugace, remontez-la, elle coûte 2 de moins jusqu'à être jouée. Alors là, nous ce qu'on a en manipulation du coup, globalement c'est de la défense, ou alors un pas de quartier, ça pourrait être pas mal de réduire le coût d'un pas de quartier. Ça c'est déjà gratuit, ça c'est déjà gratuit. Non, ça c'est fugace donc ça passe pas, celle-là non plus. C'est pas forcément ouf. A chaque rune. Quand un adversaire est détruit, gagnez 8. Si vous avez 20 PV au moins au début d'un round, gagnez 50 une fois par combat. Ça peut être pas mal. Pour aider sauver un combat au dernier moment. Alors le repos. Chaque combat élite, gagnez 15 PV. J'allais dire, ça pourrait être pas mal de commencer à améliorer nos cartes, mais gagner 15 PV, c'est quand même fort, un petit soin. Bon, c'est que sur les combats élites, hein, donc voilà. On va prendre ça. On va gagner 15 au prochain combat élite et là on va voir si on peut pas améliorer nos cartes à la fouille. Ah voilà. Encore plus de collaboration et améliorer une carte. Alors, 35 de dégâts mais ça coûte 2. Ou alors on diminue les dégâts mais ça coûte 0. Ok.
Améliorer nos à-couverts, ça pourrait être pas mal. Hein. Gagner 9 et une munition, gagner 12. Et là, évasion, vous déplace loin de la cible avant l'attaque. Ah, intéressant. Un peu de défense, je pense que c'est un must-have. Avec elle, surtout qu'on va avoir le combat élite là. Alors, soit on soigne, soit on gagne un injecteur. On va se prendre un injecteur. Alors, un consomme qui nous booste, défausser votre main, puis piocher autant plus 2 et gagner 20 d'armure, ou gagner 2, ou à la pioche gagner 1. On va prendre celui-là parce que tant qu'on l'utilise pas, il nous génère des cartes. Alors, après avoir tiré sur un adversaire loin, gagner un plongeon acéré. Ça, c'est pas mal. En plus, on a de quoi tirer. Qu'est-ce que c'est? C'est les petits enfoirés avec leur psy là. Quand cet adversaire est détruit, chaque adversaire subit 65 de dégâts. Ils sont tout faibles grâce à nos trucs. On pourrait se concentrer sur lui. Chaque roi d'un adversaire est soigné de 10. Et quand cet adversaire est détruit, chaque combattant proche subit 15 dégâts. Nous compris. Ok, donc vaut mieux qu'on allume celui-là du coup. On va prendre le dégainage. On va l'allumer. On a 32 défense pour le prochain premier tour, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, faut qu'on se rapproche. Et on lui met un plongeon acéré. C'est quand même que 10 de dégâts. C'est pas non plus taré. Hein. On va générer un peu des cartes pour la suite. Ça peut faire très mal, ça. On a consommé qu'une seule munition. Pourquoi on peut pas le jouer, celle-là? Ah, j'ai pas de gadget dans ma main. Ok, donc je peux pas la jouer. Ok. Alors, le bout portant, on a le tir, on a la coupe nette, on a notre à-couvert amélioré. Est-ce qu'on peut pas piocher notre gros tir? Et coup mourant, précoque 3, précoque 3, précoque 3. Waouh. Ah, il est bizarre le... Il est bizarre son gameplay, hein. Enfin, il est sympathique, mais bizarre. Du coup, il nous faudrait plus de cartes du style quand un ennemi change de zone, faites quelque chose. Alors là, il faudrait qu'on soit dans cette zone là à la fin. Ce qui veut dire que on va l'attaquer comme ça. Hop, après on l'expulse. On lui fait un petit tir. Le plongeon acéré, c'est pas forcément utile. On va se protéger un peu. On va voir les échos mourants. Alors, défausser ça. Défausser ça. Défausser ça. Gagner 2, ça me sert à rien. Ça, je peux le jouer sur quelqu'un normalement, mais vu qu'ils vont être soignés par l'autre, ça sert à rien de le faire. Qu'est-ce qu'il fait? Ajoute un as sonoral à votre pioche si attaqué. Ah, le salaud. Le salaud. Ah, en plus, on a ce truc là quoi. Ah non, c'est 35 PV ou moins, pardon. J'avais pas vu. Précog, précog, c'est un effet qu'elle a qui fait que c'est précog X. Tu pioches X cartes et t'en choisis, tu les pioches pas, tu regardes les X premières cartes de la pioche et t'en défausses une. T'en choisis une pour la défausser. Et du coup, bah, 3 fois précog, ça m'a fait 3 fois précog pour être à peu près sûr de ce que j'allais piocher après du coup. Et salut à tous, ouais, salut Khazar Zero. Moi je disais ton commentaire, hein, c'est complètement pas pertinent, je commence à fatiguer un peu je pense. La carte verte est bien, oui, on pourrait la jouer pour voir les options en plus. Après, on a peut-être moyen de descendre un des mecs en dessous de 35, il faut garder une balle. Pour l'exécution sommaire, il faut gagner 3 balles. On va regarder ça, ce que ça nous permet. Donc les pactes, en général, ont des effets positifs et négatifs. Chaque round, une carte au hasard de la défausse retourne dans la main et gagne fugace. Gagner 2, mais rien n'est gratuit.
on sait pas ce que ça fait. Gagner 2, un adversaire proche au hasard gagne 2. Ouais, on va faire ça. Ah putain, c'est lui qui l'a gagné. J'espérais que ce serait un des deux autres, comme ça, ça m'aurait donné une cible. Mais du coup, non. Du coup, ça veut dire que... Ça, c'est gratuit, ça dépense pas de munitions. Et il faut qu'on lui fasse au moins 10 de dégâts. Donc on va faire ça. Il nous reste 3 munitions. On le finit. Par contre, on est à poil. Il fait des dégâts à ses copains, ce qui est toujours ça de prix. On est à poil littéralement, on n'a pas de défense. Et lui il va se buffer, donc c'est pas trop grave. On va voir si on peut pas... Ah, drone de défense. Le premier adversaire à rentrer dans votre zone subit 26 dégâts non létal. Non, c'est nul. On va le faire quand même. Ça, on a notre petit drone, mais dans le contexte, ça ne sert à rien. Alors, il s'est buffé, il se met de la furie, lui. Très bien. On peut retourner le taper. Si les barrières n'est pas vide, piocher 1. Ah, on a plus trop de munitions là. On peut faire ça. Lui, on lui met ce truc là. Il faut qu'on garde une carte gratos pour attaquer l'autre. Enfin, encore qu'on n'est pas obligé que ce soit gratos. Là on va utiliser notre dernière munition si on fait ça, attention, hein. On pourra pas faire ces deux attaques là. Et en plus on le tue pas, en même temps on n'a pas moyen de le tuer, hein. Donc on va le repousser. Parce qu'il faut qu'on aille chercher celui-là de toute façon. Alors qu'on soit dans sa zone en tout cas. Voilà, comme ça on tue celui-ci, il va faire des dégâts à tout le monde, plus à son pote. Et c'est fait. Alors, chaque round gagne 5 par adversaire loin. Ok, quand l'adversaire est détruit, 10% de chance de gagner un injecteur volatile aléatoire. Ou alors gagner 8. Je pense qu'on va prendre ça parce qu'on a quand même pas mal de manipulation de zone avec ce perso. Bon, c'était un combat élite, on s'en est quand même pas trop mal tiré. On va prendre un petit soin. Ah, les drones. Non, les urnes. Quand cet adversaire est détruit, gagnez une malédiction. Ok, ils ont que 25 PV, ça devrait être gérable. Ils font 4-4-4, apparemment de raison d'attaquer l'un ou l'autre. On peut attaquer, se mettre à couvert, avec le 12 en plus. On a 10 de base. Et Rebroudaf, bienvenue sur le live. J'espère que votre session s'est bien passée. On va recharger notre chargeur. Alors, on va tuer celui-là. Hop, voilà. Il va nous faire 6 lui. On ne tuera pas, malheureusement. J'aurais bien aimé optimiser les dégâts de celle-là, mais tant pis, on va se contenter de se protéger. Recharger notre chargeur. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose en pacte? La démone ronfle sous la tente. Aïe aïe aïe, terrible histoire. On va prendre ça, se soigner un peu. Parce que normalement on est capable d'en finir avec lui. Voilà. Prends un petit 15 de soins. Alors, pas celui-ci. Défausser un gadget de la main, gagner un gadget parmi deux. Et on a vu qu'on pouvait pas jouer par contre si on n'avait pas de gadget. 8 à bout portant pour 0, c'est pas mal. Quand le barrier est vide, gagner un gadget fugace. Ah bah voilà, on va générer du gadget, on va voir ce que ça fait. Alors, une pause. On activerait la fin de Tyrinil. Si la cible a au moins 150 de PV max, infligez 20 dégâts de plus. C'est fort. C'est fort, c'est fort. On n'a pas trop amélioré nos cartes, mais on va essayer de booster notre renfort du coup plutôt. Retirer des cartes non bases. Non, ça ne m'intéresse pas, donc on va gagner un peu de PV. Et on va se faire le combat champion avec 116 PV, c'est pas mal. Oula,
Le conseil. On est à l'étage 1 là, ils m'ont l'air vénère un peu, non? Clé maudite. À chaque attaque de cet adversaire, ajoutez un nom interdit à la pioche. Ok. À chaque fois qu'une carte est effacée, cet adversaire se soigne de 2. Ok. Quand cet adversaire est détruit, gagnez 3 points d'action et une carte. Non, 3 points d'action et 3 cartes, je pense, ça doit être. Puis ajoutez 3 noms interdits à la défausse. D'accord. Alors, à l'instinct, j'aurais bien envie de buter celui-là en premier, parce que je sais pas ce que c'est que les noms interdits, mais ça va pas me plaire. On va activer ça tout de suite. On va prendre notre pacte. 80 de dégâts. Ça reste utile d'avoir ça quelque part sous la main. Alors, on a le point faible. On a 15 de dégâts d'armure. C'est pas un combat élite, donc il nous aide pas, notre pote. C'est pas cool. Ouais, on fait ça comme ça en plus il fait moins de dégâts. Du coup 15, 6 et 5 ça passe. On va trancher dans le lard. On met une petite attaque. Et on a une balle expérimentale, gagnée aléatoirement. Ok. Résultat de la balle expérimentale, gagner 2 munitions. Ah bah parfait, on va cramer ça du coup. Non, ça ne nous sert à rien, donc c'est parti. Putain, leur manière de se déplacer, de bouger et tout, c'est hyper gênant quoi. Alors, 80, si la cible est détruite, on se soigne, mais on le tuera pas avec ça, il faut qu'on l'entame un peu avant. Faire ça. Ils font beaucoup d'attaques. Hein. On va gagner un petit peu de défense, mais ça va pas non plus être monstrueux. Alors on a gagné un tir direct gratuit. J'utilise la souris, j'utilise pas le clavier. J'ai failli passer le tour encore. Et un autre tir direct gratuit, parfait. Donc là, on a boosté un peu notre défense. Et en plus. On génère des cartes d'attaque gratos. Ce qui est plutôt très très bien. Ce qui veut dire qu'on prendrait la défense ici. Et après on tire sur lui encore un coup. On passe le tour pour remplir notre chargeur. Ah, ils sont hyper gênants quoi, franchement. Inflige 50 de dégâts s'il ne supplie pas de dégâts. S'éloigne avant d'attaquer et touche ses alliés proches de vous. Ok. Et lui 50 de dégâts, c'est... Ok, donc il faut qu'on se débarrasse. Alors, il nous a mis une carte sans nom. Un adversaire, au hasard, gagne 2, piocher 1. D'accord, donc je suis pas obligé de les jouer. Ça me pourrit un peu mon deck. Et ça a un effet positif et un effet négatif. Très bien. Par contre, on a le calvaire, là. On peut jouer. Bon, après, on n'a plus rien. Si, on peut faire le calvaire. Tuer celui-là. Voilà, comme ça c'est fait. Il faut qu'on attaque celui-là pour désactiver son bonus de 50%. Et on va quand même manger chaud. On va piocher une carte. Ouais, on a plus de points là. Non, on va douiller là. Mais bon, on a au moins éliminé un ennemi, on a pris 10 PV. Une carte au hasard dans la main est effacée. Bah. Ok. Alors du coup, le suivant. Il faudrait qu'on... Il y a lui qui fait des trucs quand les cartes sont effacées. En plus, il a moins de PV. On a que 10 d'attaque en place, là. On va commencer à faire un peu mal à celui-là. Générer une carte. Une fois que vous changez de zone, ce round-ci gagnait 16. Ça ne m'intéresse pas dans le contexte. On va se protéger du coup. Générer une autre carte. Ce round-ci, à chaque carte jouée, le barnier se recharge entièrement. Bah, c'est des cartes de début de tour que tu me donnes là, mec. Tu fais chier. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Non, rien. Ok, il s'est juste buffé, mais il a rien fait de particulier. Il s'est mis un de furie, je crois.
Concentrons-nous sur celui-là, la fin de Tyrannil. S'il a au moins 150 PV max, c'est pas le cas. Lui a 150 PV max, je sais plus. Dur de savoir. Défausser toutes les attaques, gagner 2 et piocher 2. Ah, on pourrait faire un petit pas de quartier. On va faire une attaque sur celui-là. La fin de Tyrannil sur lui. 40, parfait, il avait plus de 150. On lui tire dessus. On fait ça. On va cramer ça là. Il faut des cartes, une attaque. Si vous avez 0 en main, piochez 1. Donc il faudra que j'attaque, mais j'ai pas assez. On va lui mettre un coup de pied dans sa moule, dans sa mouille, n'est-ce pas? Barrier assoiffé. Quand un adversaire est détruit, cette carte réduit son coût de 1 une fois par combat. Ok. On fait un peu. Compliqué de se défendre avec, avec elle. Hein. J'ai plus assez de munitions pour ça. Ils vont faire 11 et 10. Ouais bah on tranche. Dernière balle. Je fais une carte, si le barrier est vide après le tir, gagnez 1 et 1. Ok. On se protège. Alors, lui il va s'éloigner, tirer sur ses copains. Et lui, on peut le tuer ce tour là je pense, il y a moyen. On va le repousser. On gagne le plongeon acéré. Mais on peut lui faire un 12 pile pour lui viser. Après on n'aura plus de munitions par contre, attention. Ce qui va nous générer. Voilà, plein de choses. Chaque adversaire proche subit 2 sets de faiblesse jusqu'à la fin du prochain round. Pas mal. Ça diminue un peu sa défense, du coup on peut se protéger. Après, on découpe un petit peu sa tronche. Et on va probablement recharger. Il a encore 109 PV l'enfoiré hein. Voilà, là il nous fait 0, comme ça c'est fait. On peut cogner. Et on va probablement recharger. Alors, 14 de dégâts. Piocher 2 cartes. Pour 1, on peut piocher 2 cartes. Ok, intéressant. Bon, on va le faire, tiens. Alors, on pioche l'esprit alerte qui nous met très bien niveau défense, vu qu'on le tuera pas ce tour-là. On va défausser ce truc. Et puis après, on va faire du dégât, hein. Une petite coupe nette, un petit plongeon, voilà, 43 PV, c'est pas mal. On recharge. Aïe. Une carte au hasard dans la main est effacée, ça ne m'intéresse pas. Alors le pas de quartier, ça nous permettrait de jouer une carte gratos, mais en même temps on n'a pas grand chose d'autre. Il fait 6, ça suffira pour se défendre, on lui fait une coupe nette. Ah, on a un petit 25 là, qui fait bien plaise. Il nous reste un truc, on va voir ce qu'on nous propose. Frappe orbitale. Un adversaire aléatoire subit 5 dégâts 8 fois. Waouh. Et on subit 6 dégâts, mais on va pas les prendre. Bah ouais, on prend. Carrément. La frappe orbitale quoi, rien que le nom de la compétence, ça fait plaisir. Alors, si vous jouez 3 lors d'un tour, gagnez 1. Pas mal. Chaque rune... Gagner une carte. Non, une carte au hasard dans la main coûte 1 de moins jusqu'à être jouée. Ah non, ça c'est fort ça. On joue très souvent au moins 3 cartes avec ces générations de cartes gratuites là. Alors, gagner un injecteur, 25 PV max et 5 de. Ouais, non, pour un injecteur.
Ah, ils sont déjà suffisamment énervés en plus les deux là. Ok, faut qu'on aille taper sur lui. Le problème c'est que la cible ce sera plutôt lui en premier, mais bon. Encore que, ouais non, on peut taper sur lui, lui il agit toujours en premier, il va faire 6 x 3 et 2 x 7. Ça picote! Ah oui, je me disais, ça, oui, défausser chaque combat, je me disais je mets carte combat avant, mais non. On défausse la carte si on joue une carte combat, ok. Très bien, faisons ça. On va faire un petit précog. On va acheter ça. On va se protéger. Ah oui, en plus il y a des renforts, donc il faut absolument qu'on élimine lui en premier. On peut déjà générer de la carte, la vague montante c'est pas mal. Ah, il veut faire 20 l'autre. Ah oui, mais il touche un ennemi proche, ok, donc on reste là. On va vider notre chargeur sur lui, il ne nous reste plus qu'un seul point, donc on va prendre ces dégâts là. Voilà, comme ça il va pas mourir. On va pas le tuer juste pour que ce soit son pote qui le finisse. Voilà, parfait. Le renfort arrive instantanément. Relais lien psy mineur. Alors, est-ce qu'on peut réussir à le descendre en dessous de 35 PV? Oh merde, c'est l'autre que je voulais viser. Tant pour moi, du coup, bah non, on le descendra pas en dessous de 33 PV, il va falloir qu'on se protège. 18, ouais, on se protège carrément. Un peu faible sa défense à elle. Hein. Tant pis, on va donc commencer à le diminuer un peu. Est-ce qu'on piocherait pas un truc de défense? Gagner 0-3, non, c'est pas du tout ce qu'on a besoin. Le petit enfoiré. Alors, annule la prochaine attaque et ses effets contre lui. Bah très bien, on va se concentrer sur lui, pour la peine. Tiens, fais 3 fois 0, ça t'apprendra. Le pacte. On peut faire ça. Parce que si c'est lui qui gagne, ça me dérange pas. Ça fait des dégâts aux ennemis proches, mais il n'y avait rien de proche, du coup ça n'a pas fait de dégâts. Alors, il n'y a plus que lui. Quand le berrier est top vidé, gagnez un fugace. On va prendre ça. Il nous a donné quoi? Un adversaire ou un adversaire se soigne de 5, piocher 1. D'accord. Ça, c'est pas intéressant dans le concept. Enfin, il va s'éloigner. Mais il va nous faire surtout très mal. J'aimerais bien pouvoir me protéger. C'est pas mal ça. Parce que ça va générer un gadget. Alors, cette carte n'est pas défaussée à la fin du tour. Chaque round, cette attaque se transforme en une autre attaque aléatoire unique. Ok. Pourquoi pas. On va le taper du coup. On va garder ça pour faire un peu de munitions. Est-ce qu'il est parti mon gadget? Il a dû se transformer en une de ces deux cartes, j'imagine. Alors 24, on peut pas faire beaucoup moins. Le rechargeur bricolé. Non, il faut qu'on se défende là. Hein. Et nous faire 22, le foiré. Hein. On n'a pas besoin de munitions, quoique si on recharge des munitions, on pourrait peut-être le finir. 18, non, on le finira pas. Ah oh bah, de toute façon, on a fait 0, comme ça au moins. On va quand même voir si on peut pas piocher un truc là. Gagner 2 à 5, gagner tir vif, sinon gagner une munition de secours. Ok, on se protège un peu plus. Ça de prix. Gagner 1. On l'allume. Oh, on regagne un drone modulaire, c'est parfait. C'est très fort le truc qui fait que quand on vide notre chargeur, on est capable de faire des choses. On a toujours un point. On va gagner
2 points et générer un peu plus de manœuvre et se protéger. Et bah c'est parfait. Et le reste, c'est pas utile. Un bon tour là. Putain, il a subi un de dégâts. Allez, bim, dans ta tête. Tire un ricochet. Après avoir joué une autre attaque, cette carte est dans la défense remontée là. Elle gagne 10 dégâts et fugace. Ah, pas mal. Tir automatique. Ne peut être joué qu'avec un barillet plein. Si la cible est loin, perdez 4 et tirez 4 fois sur une cible loin aléatoire. Ou alors... Esquive gracieuse. Gagnez 16 et perdez 1. Plutôt de la défense. Hein. On a du mal à éviter les dégâts avec elle. 15% des PV et un anticorum. Prends. Gagnez 1. Bah écoutez, parfait. Carrément parfait. Alors, on a une autre fouille, mais même si j'ai envie de continuer, on va arrêter l'épisode de VOD là. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, n'hésitez pas à laisser un petit message. Je bois ma petite gorgée d'eau habituelle. J'espère que cette découverte vous a plu. N'oubliez pas qu'il y a 10% de réduction en passant par le lien partenaire si le jeu vous intéresse. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Thank you.